Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo. On commence. S'il a vaincu sans trembler Florent Burillon en le mettant KO dès le premier round, Cédric Doumbé n'a pas vécu une soirée parfaite ce samedi à Bordeaux. Car derrière la satisfaction de ce troisième succès en autant de combats en MMA, le Français a commis une erreur problématique. De quoi lui faire être très sévère envers lui-même. Je dis que je suis meilleur que Conor McGregor, donc si je ne bats pas Florent Burillon, ce sera un gros échec. Avant son combat en main event du MMAGP, Cédric Doumbé avait annoncé la couleur, et il a tenu parole. Patient et tout en maîtrise, Debest a mis son adversaire KO sans même attendre la fin du premier round. La soirée a-t-elle été parfaite? Pas franchement. En effet, une grosse ombre s'est glissée au tableau. Après le combat, il a été révélé que Doumbé n'a pas réussi sa pesée. Le natif de Douala étant trop juste, pour descendre aux 77 kg requis, le combat a été modifié. Comprenez par là que le poids a été rehaussé à 80 kg afin de pouvoir être maintenu. Forcément, une telle situation fait forcément tâche. Surtout au regard des grosses ambitions nourries par Doumbé pour l'avenir du côté de l'UFC. On sait par exemple que la pesée ratée par Ramzat Chimaev en marge de l'UFC 279 a fait couler beaucoup d'encre. Et comme on a pu le constater, Dana White ne toléra probablement pas un tel écart. Alors forcément, dès la fin du combat, Doumbé a pris le micro pour évoquer sans détour l'embarrassante bévue qu'il a commise. Et c'est clair et net. Ses mots étaient « rater la pesée, c'est ma première défaite. J'ai échoué, je suis parti de loin, et j'ai mal estimé la différence entre le kickboxing et le MMA. Au lieu de perdre du poids, j'en ai pris. Ça ne s'est pas passé comme prévu. » Le Français n'a pas cherché à se cacher, mais ne vous y trompez pas, c'est globalement radieux. Et c'est avec le sourire que Debest a diverti les fans bordelais à l'issue de son combat. La soirée est donc satisfaisante dans l'ensemble pour Doumbé, mais cette faute sonne comme une très grosse piqûre de rappel. En effet, déjà âgé de 30 ans et compte tenu de ses grosses ambitions à l'UFC, il va falloir être plus vigilant. On compte désormais sur Cédric pour se montrer encore plus attentif à l'avenir, afin de montrer un professionnalisme à la hauteur du travail qu'il fournit. Et si cet aspect suit, nul doute que le talent du compatriote de Francis Ngannou le mènera loin, très loin dans le MMA. Cédric Doumbé n'a pas cherché d'excuses et s'est littéralement auto-flagellé devant la foule suite à sa pesée ratée. Le combat a pu être modifié ce coup-ci, mais une plus grande exigence est nécessaire. Cet avertissement sans conséquence ne doit pas se reproduire.